más, es un intento más. Jornada importante para Colombia en la Vuelta a España. Triunfo de etapa para Sergio Higuita. Miguel Ángel López ascendió una posición en la clasificación general. Y Nairo Quintana, aunque sufrió, se mantiene en la zona de podio. Etapa montañosa de 177 kilómetros entre Becerril y Colmenar Viejo, territorio de la Comunidad de Madrid. Con cuatro puertos de montaña de primera categoría por delante, se formó la fuga, con la presencia del colombiano Sergio Higuita. En el grupo principal, Miguel Ángel López atacaba y lograba desprenderse de los favoritos. Kilómetros más adelante, recibía el apoyo de los hombres del Astana. Entretanto, en la fuga, atacaba el debutante Higuita. Abre hueco y se va en punta en solitario. Por detrás, Roglic y Valverde alcanzan a López, mientras Nairo se queda cortado con Pogačar. Con esta situación de carrera se coronó el cuarto y último puerto de montaña de primera categoría y se inició el descenso de 8 kilómetros, en los que Higuita solo se limitó a pensar en el triunfo de etapa. El corredor cruzó en solitario la meta y se llevó la primera victoria en una grande del ciclismo internacional. Los kilómetros finales de la 18ª etapa fue un gran duelo entre los hombres de la general, incluso entre colombianos. Superman López, no conforme con ganarle por fin la posición a Pogačar, luchó por el tercer puesto de la general en manos de Nairo Quintana. Al final de la jornada, Miguel Ángel se daba por bien servido. No logró la posición de podio, pero le quedan tres etapas para intentarlo nuevamente. Además, pasó del quinto al cuarto puesto y recuperó la camiseta de mejor joven. Atención a la clasificación general, ¿cómo queda? Primero, Primoz Roglic. Segundo, Alejandro Valverde. A 2 minutos 50 segundos. Tercero, Nairo Quintana. A 3:31. Cuarto, Miguel Ángel López. A 4:17. Quinto, Tadej Pogačar. A 4:49. Y Sergio Higuita, con su gran actuación, también asciende en la clasificación general. Pasa del 18º al 14º puesto. Recordemos que el ganador de etapa ya nos había confesado su deseo de figurar en esta Vuelta a España. Sí, vamos a intentarlo, Dani y yo. Dani y yo vamos a ir por la disputa ahora y vamos a estar allí luchando por la general, por hacerla bien. La vuelta se pone más exigente. ¿Cómo te encuentras? Bueno, día a día, hoy mejor, con calma, sin presión y disfrutándome el día a día. Así las cosas, esta tercera semana de la vuelta anda muy bien para los intereses de Colombia, con lo que hizo Nairo Quintana en la 17ª etapa. Veremos qué pasa entonces en la 19ª que se corre este viernes. Tiene un recorrido de 165 kilómetros, es llana y apta para los velocistas, donde esperemos que aparezcan hombres como Molano o Fernando Gaviria. Te dura la etapa, es algo difícil. Claro que siempre se va a intentar. Bonjour à tous et bienvenue sur la 18e étape de la Vuelta, retour de la montagne avec un tracé qui comprend 4 ascensions sur 177 km. Une étape avec beaucoup de dénivelé mais pas d'arrivée en altitude à Becerril de la Sierra. Quelques instants après le baisser de drapeau, les tentatives se multiplient pour essayer de constituer l'échappée du jour. Au pied du Puerto de Navacerrada, première difficulté se dessine, Wout Poels, le grimpeur d'Ineos, s'extrait du peloton. Difficile tout de même de creuser l'écart en solo pour Poels qui après une heure de course n'a que peu le rejoindre. Poels franchit seul le sommet, Bouchard prend lui la deuxième place et continue d'assurer sa tunique de grimpeur. Wout Poels est rejoint au pied de la deuxième ascension de la journée, le Puerto de la Morcuera. Un groupe est enfin constitué à l'avant avec 12 coureurs après 68 km. L'avance sur le peloton mené par les Jumbo-Visma est de 2 minutes 40. Bouchard prend le maximum de points en passant en tête au sommet. L'écart avoisine les 5 minutes à 80 km de l'arrivée. Mais dans la troisième ascension de la journée, sur l'autre versant du Puerto de la Morcuera,
dans le groupe des favoris, Miguel Angel Lopez passe à l'attaque. Il prend rapidement ses distances, une vingtaine de secondes, mais l'écart avec la tête de course fond. Bouchard prend une nouvelle fois encore les gros points au sommet, mais pas évident l'échapper à Youp. À l'avant de la course, les échappés qui vont être rejoints au pied de la dernière ascension. Lopez continue de mener la vie dure au groupe maillot rouge. À 30 km de l'arrivée, il place une nouvelle attaque. Cette fois, Pogacar en fait les frais. Quintana est également lâché. Au sommet du Puerto de Cotos, Higuita passe seul et file vers l'arrivée avec une quarantaine de secondes d'avance sur Lopez, Roglic, Valverde et Maika. Quintana et Pogacar sont quasiment à 1 minute du groupe maillot rouge à 8 km de la ligne car Roglic en bon descendeur mène le train. Devant, Higuita résiste et s'en va décrocher. Une victoire de prestige. Higuita is the hero and the smile goes from ear to ear. Higuita remporte donc cette 18e étape devant Primoz Roglic qui a fait le sprint et pris les bonifications à l'arrivée, 6 secondes. Valverde prend la 3e place et 4 secondes. Une minute après eux, le groupe Quintana Pogacar a franchi la ligne d'arrivée. Remporter cette victoire pour l'équipe, c'était ma motivation première parce que l'équipe a connu jusque-là une Vuelta très difficile. À la fin de l'étape, j'étais complètement cuit, mais ça me tenait tellement à cœur que j'ai tout donné. C'est un rêve et j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Deuxième saison chez les professionnels et premier coup d'éclat pour Sergio Higuita, 22 ans, qui remporte son premier grand succès sur un grand tour. Dans une Vuelta compliquée pour Education First avec les abandons de Van Garderen et Urán, Higuita permet à l'équipe américaine de briller un peu et de sauver son tour. Deuxième cette année sur le Tour de Californie, Higuita fait partie de cette nouvelle vague de coureurs de 20 ans qui jouent déjà les premiers rôles sur le World Tour.